est sur le point d'accoucher. Retournons quelques mois en arrière. Lors de la mise en place du placenta, Claire a subi des remodelages vasculaires afin de permettre une bonne perfusion sanguine et ainsi un transfert optimal de nutriments permettant le bon développement de son bébé. Hors grossesse, voici comment se présentent les artères utérines qui se déclinent en artères arquées, puis radiées, pour finir en artères spiralées qui perfusent la chambre intervilleuse au niveau du placenta. Dans le cas de Claire, un remodelage est nécessaire pour que le sang arrive à grand débit et à basse pression. Pour ce faire, les artères spiralées perdent leur tunique musculaire lors de l'invasion trophoblastique. Elles deviennent alors moins résistantes et se dilatent pour laisser passer plus de sang à faible pression. Pour vérifier ce remodelage, on a fait une échographie couplée à un Doppler à Claire. Voici le Doppler que nous avons obtenu. En comparaison, voici ce que nous aurions obtenu hors grossesse. Et voilà le Doppler d'un cas pathologique. Sur un Doppler d'artère utérine hors grossesse, l'artère est encore de type musculaire. On peut voir la systole maternelle, l'incisure protodiastolique ou notch, la diastole maternelle. Chez Claire, le Doppler est différent. L'artère a perdu son caractère musculaire et devient dilatable. Il y a alors disparition de l'incisure protodiastolique et la diastole est augmentée car grâce au remodelage vasculaire, on a plus de sang qui passe. Et en cas de pathologie, le Doppler n'est pas modifié comparé à une situation hors grossesse. Le notch persiste et la diastole n'est pas augmentée. On a donc une mauvaise perfusion du placenta. On va maintenant s'intéresser au fœtus. Il est important de rappeler qu'au niveau du placenta, les sangs maternels et fœtaux ne rentrent jamais en contact direct. Le sang maternel est contenu dans la chambre intervilleuse et les transferts se font au niveau des villosités. Le sang va ensuite traverser le cordon pour atteindre le fœtus, où il franchira différents chintes. On va vous décrire la circulation fœtale en vous montrant le trajet du sang au départ du placenta. Attention, pour un souci de compréhension, l'anatomie cardiaque n'est pas respectée. Le sang oxygéné commence par traverser le cordon en empruntant la veine ombilicale. Les vaisseaux ombilicaux baignent dans la gelée de Wharton. Ensuite, le sang franchit le canal d'Arentius qui fait communiquer la veine ombilicale avec la veine cave inférieure qui se jette dans l'oreillette droite. Ce canal d'Arentius est donc le premier chint franchi par le sang. On parle de chinte parce qu'il permet de court-circuiter le foie afin que ce dernier ne consomme pas d'O2. Arrivé dans l'oreillette droite, la majorité du sang passe directement dans l'oreillette gauche via le foramen ovalé, le deuxième chint, celui-ci étant intracardiaque. Le sang poursuit son trajet dans le ventricule gauche, puis sera expulsé dans la crosse de l'aorte. Le reste du sang n'ayant pas franchi le foramen ovalé passera par le ventricule droit, puis l'artère pulmonaire. À ce niveau, deux possibilités s'offrent au sang. La première, concernant la plus grande partie du sang, empruntera le troisième chint, le canal artériel reliant l'artère pulmonaire à l'aorte descendante. L'infime partie de sang restante suivra un trajet classique en passant par les poumons avant de rejoindre l'oreillette gauche puis le ventricule gauche pour finir par être expulsé dans la crosse aortique. À partir de l'aorte, le sang ira irriguer les différents organes, puis retournera au placenta en empruntant les deux artères ombilicales, naissant des artères iliaques primitives. Voici un schéma animé en guise de résumé de la circulation fœtale. Pour évaluer le bon déroulement de cette circulation, on peut faire des Dopplers qui nous indiqueront s'il y a une souffrance fœtale. En cas de mauvais remodelage vasculaire chez la mère, des résistances vont apparaître au niveau du placenta.
Plus la résistance est élevée, plus le débit chute dans les artères ombilicales. C'est pourquoi il est intéressant de réaliser cet examen. Voici un Doppler normal d'une artère ombilicale. On reconnaît bien le pic de la systole et le niveau de la diastole. Voici en comparaison celui d'une situation pathologique. Le pic de la systole persiste, mais on observe une disparition de la diastole. Dans les cas extrêmes, quand le sang est poussé vers le placenta par la systole de l'enfant, il peut refluer vers le fœtus par l'artère ombilicale au cours de la diastole, car le placenta présente trop de résistance, ne permettant pas le passage du sang. C'est le reverse flow. Quand un fœtus est en souffrance, il modifie systématiquement le Doppler à l'artère ombilicale. Au bout d'un moment, il adapte sa circulation interne en privilégiant le cerveau et le cœur. C'est pourquoi il est également intéressant de réaliser l'examen pour l'artère cérébrale du fœtus si celui des artères ombilicales est anormal. Voici le Doppler normal de l'artère cérébrale, avec toujours un pic de systole et un plateau en diastole. Et voici en opposition celui d'un cas pathologique. Le pic de systole persiste, mais le niveau de la diastole est augmenté. En effet, en cas de souffrance, les vaisseaux du fœtus vont se dilater pour maximiser les apports au niveau des organes nobles. Pour résumer, voici l'ordre des perturbations en cas de mauvaise invasion trophoblastique, pouvant être à l'origine d'une pré-éclampsie, c'est-à-dire une hypertension artérielle gravidique durant la grossesse. Pour commencer, une mauvaise invasion va induire un mauvais remodelage vasculaire des artères utérines, qui lui-même induira des résistances placentaires à l'origine d'un reverse flow au niveau des artères ombilicales. L'artère cérébrale du fœtus subira un remodelage en dernier lieu en cas de grande souffrance fœtale. Le bébé de Claire est né. Il a poussé son premier cri. Un cri de douleur car il vient de subir les changements cardio-pulmonaires les plus importants de sa vie. Lors de sa descente, le thorax du bébé a été comprimé puis libéré, ce qui a permis son premier réflexe, l'inspiration. Elle est à l'origine du déplissement des alvéoles pulmonaires. C'est le début de la respiration. Au niveau circulatoire, les changements font suite au clampage du cordon. Le retour veineux diminué induit une baisse de pression. Celle-ci causera la fermeture automatique des chintes, forçant le sang à passer par l'artère pulmonaire. La circulation pulmonaire n'est donc plus exclue et prend le relais.